Oui, bah, je m'appelle Yann Kenney, j'habite à Saint-Brieuc, et puis j'ai fait un tour du monde avec mon petit bateau de 4 mètres de long, qui est mon copain, comme tu dis, qui s'appelle Baluchon. Ah ouais. Donc je suis entre deux tours du monde, si on veut, là, parce que je prépare pour un prochain. Oui, en plus, il y en a qui ne s'arrêtent jamais. Voilà. Et alors, ton baluchon, explique-nous un peu ce voilier improbable. J'aime beaucoup ce que dit ton ami Olivier de Kersauzon. C'est un voyage d'homme dans un bateau d'enfant. Bah, un petit peu, oui. C'est un rêve de gosse que j'avais depuis très très longtemps. Maintenant, je sais pas, je suis plus tout à fait un enfant, mais c'est toujours un rêve que j'ai eu depuis longtemps de faire ça avec un bateau qui me correspond un petit peu. Donc voilà. Puis les petits bateaux, je voulais un tout petit bateau parce que les petits bateaux, en Bretagne, on dit petit bateau, petit problème. Et moi, j'aime pas trop les problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un tout petit bateau. Puis j'avais un petit porte-monnaie aussi, donc c'est une autre raison. Et puis aussi, bah, les grands bateaux, je trouve, c'est pour les grandes personnes, ceux qui ont une situation sociale sérieuse, un métier, un crédit, je ne sais pas quoi. Donc, il me fallait un petit bateau, vraiment, un petit jouet, quoi. Et puis, sur lequel bah, c'est un bateau que j'ai construit moi-même, donc comme un enfant qui l'a construit le soir dans sa chambre et puis qui va l'essayer. Mais au lieu d'aller l'essayer sur le bassin du jardin public d'à côté, je vais l'essayer en mer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tour du monde avec mon petit bateau, quoi, que j'ai construit moi-même dans mon garage.